Vivat, crescat, floreat, domina, valensis, ad aeternam. Que vive le dernier archiviste de la Vaudoise, longue vie colorée à toi, mon filleul, ton parrain. Pour un VX de choc qui n'oublie pas d'être funky. Le meilleur et le plus beau des parrains. Et ça, c'est celui de mon grand-père, Amédée Dubois, à son filleul Claude Raymond, Noël 1941. La question qui se pose, c'est de savoir sur quels critères le candidat va-t-il choisir son parrain. Et moi, j'ai eu la chance qu'on m'avait donné un conseil à l'époque, je crois que c'était Henri Klinge qui m'avait donné ce conseil, qui m'avait dit, mon cher, enfin candidat, ne prenez pas comme parrain quelqu'un que vous connaissez, ne prenez pas comme parrain quelqu'un avec lequel vous avez des affinités, parce que ce serait trop facile et ça vous priverait de l'occasion de découvrir quelqu'un et de faire connaissance avec cette personne. J'avais donc suivi ce conseil à la lettre et j'avais pris Jérôme Raymond simplement parce qu'il avait été, à mon goût, le charrieur le plus odieux de tous. Il avait une façon terrible d'exiger que nous procédions à quelque chose en disant « Procédez, candidat, procédez !» Et du coup, j'avais décidé de porter mon dévolu sur lui. Et j'ai bien fait. Je montais à l'université depuis la gare, et puis je l'avais appelé, puis il savait pourquoi je l'appelais, évidemment. Alors, sur le moment, j'étais surpris qu'il sache, mais après, quelques années plus tard, j'ai compris qu'on savait toujours. Et puis, il n'a pas accepté tout de suite. Il m'a d'abord convoqué un café au bâtiment de la faculté de droit à l'Uni, café qu'on a pris les deux. Il m'a demandé pourquoi, et je voulais qu'il soit mon parrain. Et puis, à la fin, il m'a dit qu'il avait accepté, et il a fini. Il a fini par signer la lettre du parrain. Si on prend la devise de Zofingue, on est tous les deux assez proches du litteris et de l'aspect intellectuel de Zofingue. Je crois que ce qui nous a beaucoup reliés, c'est de participer aux conférences, les lectures. Je pense que c'est vraiment cet aspect-là qui nous a marqué, qui a été important à Zofingue pour tous les deux. Une collection de Zipfel commence en fait dans la tradition de notre famille avec la première médaille qui est celle qu'offre le parrain qui dans ce cas-là est la plus grosse de toute la collection. Jérôme me l'avait offerte lorsque je suis passé Bourges en 2010. Il avait écrit à la naissance d'un nouveau Bourges, reste sincère et fidèle à Zofingue. Et il acceptera la pique lorsque je lui dis que sa phrase n'a pas été d'une immense originalité. Il est écrit « Jérôme Raymond, ton parrain » à Félicien Meunier. Heureux l'homme occupé à l'éternel destin qui, tel un voyageur qui part de grand matin, se réveille l'esprit rempli de rêverie. Ouais, alors ça c'est très Félicien effectivement de mettre une citation. Sur le moment, vous ne réalisez pas tellement, mais force est d'admettre qu'en les regardant, je me trouve pris d'un peu de nostalgie. Le téléphone pleut quand elle ne vient pas. Quand je lui dis je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Tout c'est un charriage qu'on a. Ah oui, que j'ai instauré à Dauphin, c'est que chaque candidat doit apprendre une chanson complètement pourrie. Ouais, c'est toujours les mêmes. Hein. Non, pendant un temps, c'était toujours les mêmes, ouais. Il y avait un jour Est-ce que tu viens noir, pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse.
C'est David et Jonathan, ça. Il y avait En rouge et noir de Jeanne Masse. Tu la sais encore, celle-là? En rouge et noir, j'exilerai mes peurs, j'irai plus haut que toutes ces montagnes de douleur. Il y a deux ou trois moments très jolis, un peu des fins de soirée où on se dit des choses qu'on a sur le cœur. Et puis je trouve que ça s'est arrivé avec Félicien une ou deux fois. Et puis c'est de beaux moments. C'est de beaux moments. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que comme on est tous les deux très symboliques, on est attachés. Même si je pense que ça aurait pu se passer même si on n'était pas parrain et fillot, je pense qu'on restera très liés toujours, entre autres parce que le fait d'être de la même famille zofingienne, si on peut dire, ça, c'est important pour tous les deux.